Il me semble essentiel aujourd'hui pour une institution culturelle, quelle qu'elle soit, opéra, cinéma, et surtout évidemment le monde des musées, de créer sa propre identité. Je ne crois pas une seconde à l'effet Bilbao. J'ai toujours dit depuis 5 ans qu'on est lancé dans cette aventure qu'il n'y avait qu'un seul Bilbao et qui en faisait sa force, c'était justement son unicité. Très récemment, Frank Gehry lui-même, l'architecte américain qui a créé le Guggenheim Bilbao, disait, peut-être sous forme de boutade, qu'il n'a jamais cru une seconde au succès du Guggenheim Bilbao et qu'il est encore étonné aujourd'hui que ça a pu fonctionner. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, je ne reviens pas sur ce succès. Ici, il semble que nous connaissions un certain succès. Eh bien, je crois qu'une des raisons du succès, c'est que justement nous sommes l'antithèse du Guggenheim Bilbao. Mais qu'en revanche, il y a une vraie identité. Pourquoi les gens viennent voir une institution culturelle? C'est parce qu'il y a une alchimie très complexe entre une équipe, une architecture, qui crée un projet culturel. Je prends un exemple caricatural. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur les grands politiques qui auraient pu m'influencer dans mon parcours de commissaire d'exposition. Ben, je serais tenté de dire, aujourd'hui, quelqu'un comme Harald Zeman est sans doute une figure politique qui nous a beaucoup influencés. Qui allait en Suisse dans les années 60, à Berne? Personne. Mais pourquoi on allait à la Kunsthalle de Berne? Parce qu'on savait que là, il y avait des expositions qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Quelques centaines de personnes venaient là. Mais c'est, je crois, vraiment ça qui fait l'identité. Pourquoi, pour prendre un autre exemple culturel plus français, pourquoi des gens vont faire 500 km depuis Paris pour aller dans l'Auvergne profonde, sur le plateau de l'Aubrac, dans une architecture un peu contemporaine, découvrir Michel Bras, un des plus grands cuisiniers français? Bah parce qu'il y a là un moment d'alchimie, un précipité, où tout est réuni pour une émotion unique. Et je crois beaucoup aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, à ce retour, non pas identitaire, c'est terrible, mais en revanche, à cette création d'expériences totalement fascinantes qui fait que bah, on vient, voilà, et que les gens découvrent, par exemple à Paris, que Metz n'est pas en Sibérie.